secondes à peine et déjà les deux premières de cette poursuite sont sur la piste. Il s'agit de Dorothée Avireur qui voit Chloé Chevalier partir très fort derrière elle. Elvira Auberg est à moins de 10 secondes. Est-ce que la dauphine de Julia Simon au classement général va être capable de les combler ces 9 secondes avant même le premier tir? Marthe Holzbroiseland, elle va se retrouver un petit peu seule. Et puis derrière, on voit Denise Herman, Julia Simon également, Lou Jean Monod et peut-être là donc les premières alliances dont parlait Marie-Laure Brunet en plateau. Dorothée Avireur est la plus rapide et la plus précise. Elle va pouvoir ressortir en tête avec Elvira Aubert qui lui a bien répondu. Et Chloé Chevalier va rester au contact. En revanche, Julia Simon est en train de payer les efforts de ce premier tour. Marthe Holzbroiseland ne va pas voir ressortir avec Denise Herman-Vic. C'est bien parti pour Lou Jean Monod. Et ça fait des dégâts également pour Caroline Colombo. Anna Aubert se replace. À Caro qui va aller visiter la note pénalité à 3 reprises. Comme Julia, ça fait mal. C'est pas la meilleure entame. En tout cas, Chloé, elle aura réussi à riposter. Le plein pour Lisa Teresa Hauser. On surveille également Lisa Vitozzi qui était partie avec du retard en 13e position, qui va peut-être pouvoir le combler. Ce retard, oui, parce qu'il y a des filles sur la note pénalité. Anaïs Chevalier-Boucher va y aller. Et puis on surveille, bien sûr, Julia Simon et Caroline Colombo avec 3 tours chacune. Marketa Davidova, la Tchèque, elle aussi va pouvoir se replacer. La voici, Lou Jean Monod, donc ressortie avec 22 secondes de retard. C'est ce qu'on vous disait il y a quelques instants. 22 secondes de retard du pâtir. Et bien voilà, déjà 3 dans sa besace à Lou Jean Monod. Ah, c'est intéressant, elle a repris 3 secondes en étant toute seule. Elle est vraiment esselée sur la piste. Donc ça, c'est un bon signe. C'est que physiquement, ça doit, les feux sont au vert. Elle a clairement un deuxième tir couché d'une poursuite à 6. Il y a un premier écrémage qui peut déjà se faire là. Sortir toute seule parce que derrière il y a des erreurs pour tout le monde. Une erreur pour Elvira Auberg, une pour Marthe Holzbroiseland, pour Denise Herman-Vic, également pour Chloé Chevalier. Lou Jean Monod pourrait donc en profiter pour ressortir en 4-5 sur 5. Mais elle aussi va partir à la faute et donc vous l'aurez compris, Dorothée Avireur va être bien seule en tête. Elle va pouvoir en profiter. Alors c'est loin d'être terminé, il reste 2 tirs et puis vous l'aurez compris, les filles ne vont pas ressortir avec beaucoup plus de 20 secondes de retard sur l'italienne, mais quand même elle aura un petit matelas d'avance à l'approche du premier tir debout. Les 20 secondes se sont déjà écoulées. Est-ce qu'on voit les premières rivales de Dorothée Avireur sortir? Eh bien non, parce qu'elle a tiré en plus très très vite. Ça y est, elles sont là, 28 secondes de retard pour ce 28 secondes de retard pour les 4. Là on va voir un petit peu la Chloé, elle se retrouve quand même avec du lourd là. Herman, Elvira, Reusland, c'est des filles qui sont capables d'aller très vite à ski, mais Chloé a montré qu'elle était dans une bonne période en ce moment. On suit le tir de Julia Simon, bien sûr. Vous avez vu qu'Anaïs Chevalier-Boucher avait fait 2 erreurs, il y aura une erreur supplémentaire pour Julia Simon. Ah, ça va coincer là pour Julia sur ses 2 tirs, donc 5 sur 10, si je m'abuse, Fred, parce qu'il y avait déjà 3 erreurs sur le premier. 5 pénalités au total sur les 2 tirs couchés de Julia, ça commence à faire beaucoup. Il faut s'accrocher, hein. Faut vraiment dans la tête, là, ça, il faut pas lâcher, il faut vraiment que Julia elle donne le maximum. Elle a des grosses capacités sur les tirs debout, elle peut encore aller chercher des places devant, on le sait, hein, aujourd'hui ça compte pour le général. Faut pas l'oublier, faut essayer de limiter la casse pour que Elvira ne reprenne le moins de points possible. Un mot quand même sur Julia Simon, bien sûr c'est la course dans la course que l'on suit. 5 sur 10 donc sur ses 2 premiers tirs pour Julia Simon. Elle est ressortie 31e avec 2 minutes 08 de retard sur la tête. Elle est accompagnée sur la piste avec quelques secondes d'écart par Caroline Colombo qui est juste derrière. Et puis on l'a vu, Lou Jean Monod, elle, la deuxième française la mieux placée après Chloé Chevalier qui est dans ce groupe de tête. Lou Jean Monod, elle a reçu les consignes de la part de Vincent Vitoz. Elle a une 50aine de secondes de la tête.
Quel enchaînement sur ces dernières balles pour Dorothée Avireur qui va se donner un petit peu d'air, le temps d'aller faire cet anneau de pénalité, sauf si une fille a la science du tir rapide comme l'Italienne en dispose. Les quatre l'ont vu là qu'elle avait raté, donc c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui vont vouloir attaquer ce tir. En tout cas, Herman, c'est ce qu'elle est en train de faire. Le retour de Marthe Holzbroeyseland au meilleur des moments sur ce premier tir debout. Marthe Holzbroeyseland va pouvoir ressortir, si ce n'est en tête au moins au contact de Dorothée Avireur. Ça va être également le cas pour Denise Hermanvic et pour Elvira Heuberg qui réalise le plein. Chloé Chevalier malheureusement coince sur ce premier debout. Un gros spectacle de la part d'Herman, Roysland et Elvira. Il n'y en a pas une qui a abdiqué. Malheureusement, c'est Chloé qui a visité la note pénalité trois fois. Et Lou qui réalise le plein. Et qui va pouvoir se replacer. Lou Jean Monod, exceptionnel aux portes de ce top 5. Parce qu'on a vu en plus Lisa Vitozzi, elle aussi a réussi ce 5. Alors peut-être qu'il y a des filles qui nous ont échappé et qui vont ressortir devant Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod. C'est ce qu'on surveille. Mais on vous avoue qu'on était complètement focus sur les deux. Ah ben non, elles ressortent ensemble. Il y a à peine 6 dixièmes d'écart entre Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod. On a perdu Chloé Chevalier, mais il y a toujours une Française parmi les 6 premières. Dorothée Avireur, Denise Herman, Marthe Holzbroeyseland. C'est dans cet ordre qu'il y a 3 ans, sur les championnats du monde d'Antols, on avait eu le podium de la poursuite, la victoire pour l'Italienne. Denise Hermanvic, vice-championne du monde de la poursuite, et Marthe Holzbroeyseland, dans ses mondiaux époustouflants pour la Norvégienne, elle était allée chercher la médaille de bronze. Eh bien, c'est un remake de ces mondiaux, alors que nous, on se situe sur la dernière course individuelle avant les prochains mondiaux d'Oberhof. Mondiaux où il faudra très certainement compter sur la fille en combinaison jaune qu'on a vue derrière ce trio. Elvira Heuberg est bien là et elle est bien elle aussi. Lou qui est en train même de prendre un peu de marge sur Lisa Vitozzi. Ouais, on l'a vu au pied de la bosse là, en train de limite attaquer Lisa. En tout cas, techniquement c'est propre, il y a de la vitesse. C'est plutôt bon là ce que nous montre Lou à l'image. Pour l'instant, elles tiennent le podium toutes les trois. Mais dans quel ordre ? En tout cas, les trois collaborent parfaitement. Ça, c'est pas bon signe, ça. Tout le monde y va du sien. Hein. Que ce soit Doro, on l'a vu prendre son relais. Derrière Roysland, là maintenant, c'est au coup d'Herman. Elvira, elle n'a pas le choix. Elle faut qu'elle aille à bloc. Il faut rentrer, réduire les écarts. Elle est toute seule, elle n'a pas le choix. Elle a perdu 5 secondes, hein, d'ailleurs, ce qui vous prouve alors deux choses à la fois. Peut-être la méforme qui semble quand même aller de mieux en mieux pour la part d'Elvira Heuberg. Et puis peut-être donc le très bon travail devant dont on vantait les mérites il y a quelques instants entre Roysland, Vireur et Hermanvic. Elles sont en train de limiter la casse également avec Lou Jean Monod qui a toujours, qui tient ses 30 secondes de retard par rapport au trio de tête. Toujours 30 secondes. On va les laisser, les trois, là, on va les laisser s'entretuer sur ce dernier tir, et ça pourrait faire l'affaire de Lou, parce que Lou, elle a pas froid aux yeux. C'est vraiment une athlète qui a peur de rien, qui s'est fixé zéro limite. Il y a des erreurs partout. Peut-être l'occasion pour Lou Jean Monod d'en profiter. Vous nous le disiez il y a quelques instants, Fred. 2 erreurs donc pour Marthe Holzbroeyseland. 1 seule pour Denise Hermanvic. La dernière balle que Dorothée Avireur a du mal à lâcher ne sera pas dedans. Avantage donc pour l'instant pour Denise Hermanvic. Mais avantage peut-être aussi pour Elvira Heuberg et Lou Jean Monod si elles réussissent à faire le plein. Lou, là, il faut vraiment faire le boulot. Échapper cette dernière balle, c'est compliqué également pour Lou Jean Monod. Denise Hermanvic, elle va pas tarder à ressortir de ce pas de tir. Le vent sur 20 pour Lisa Vitozzi, la performance majuscule quand une Italienne n'est pas bien, comme Dorothée Avireur actuellement sur l'anneau de pénalité. Et bien une autre, profite, c'est Lisa Vitozzi qui va pouvoir ressortir en deuxième position derrière Denise Hermanvic qui vient de terminer la première sur l'anneau de pénalité parce qu'elle n'avait fait qu'une erreur, contrairement à Roysland et Vireur, elles qui en ont 2. Voilà, il y a du monde sur la note pénalité. Hein. Même les athlètes qui sont encore actuellement sur le pas de tir peuvent aller chercher un podium. C'est Elvira là, qui va ressortir en troisième position avec Roysland sur le porte-bagage à 22 secondes de la tête. On voit sa sœur Anna derrière sortir comme un boulet de canon. Et Chloé Chevalier qui a cette dernière balle qui lui échappe malheureusement, qui va retourner sur l'anneau de pénalité et va voir partir cette cérémonie des fleurs. Elle pourrait se jouer au sprint, la cérémonie des fleurs, parce qu'on voit entre Anna Heuberg et Marketa Davidova, elles sont ressorties ensemble. Toutes les grandes dames du biathlon sont là et malheureusement, elles ont laissé au bord de la route les Françaises
C'est Lisa Vitozzi, toujours avec ses 12 secondes sur Denise Hermann-Wick. Denise Hermann-Wick qui pourra aller chercher la 11e victoire de sa carrière. On le disait il y a quelques instants, on parlait de ses championnats du monde. À Antols, il y a 3 ans, où Denise Hermann-Wick était allée chercher la médaille d'argent, et bien cette fois, ça pourrait augurer d'une médaille d'or lors de la prochaine course individuelle. Ce sera justement sur les championnats du monde à Oberhof, où on sera à partir du 8 février prochain. Denise Hermann-Wick, elle a une médaille olympique également autour du cou. Elle est championne olympique en titre de l'individuel. Clairement, c'est une fille dont il faudra se méfier. Elle aussi, il faudra s'en méfier. Le très beau retour de Lisa Vitozzi, pourtant partie 13e. Interminable. Les drapeaux allemands sont déjà là avant d'être le mois prochain à Oberhof. Dernière course individuelle avant les championnats du monde d'Oberhof. Elle sera à domicile. Et quel message envoyé à tout le monde de la part de Denise Hermann avant ces championnats du monde, avant cette immense échéance. C'est elle qui vient s'offrir la victoire du jour. Derrière, Lisa Vitozzi ne semble pas inquiétée par Elvira Öberg. Où est la Suédoise? Non, elle est encore loin. La deuxième place sera bien pour Lisa Vitozzi. De retour sur le podium avec ce dossard 13 qu'elle peut montrer à toute la foule qui l'encourage, et Elvira Öberg à nouveau sur le podium alors qu'elle n'est pas dans la forme de sa vie. Et bien ça aussi, ça en dit long sur ses ambitions lors des prochains championnats du monde. Anna Öberg est 4e, Marte Holzbroeuseland 5e et Marketa Davidova, belle performance de la part de la Tchèque avec son dossard 16, complète la cérémonie des fleurs. Grande perdante avec son dossard 1, elle termine juste après ce top 6. Dorothea Wierer. Davidova qu'on a vu très très en forme sur les skis, hein, qui a été capable de faire les écarts avec Doro dans le dernier tour. Malheureusement Doro avec un 17 sur 20, ne pouvait pas mieux faire qu'une 7ème place. Pour gagner aujourd'hui il fallait faire 18, hein, c'est ce qu'a fait Denise Hermann, 18 sur 20, Lisa Vitozzi 20 sur 20, il n'y a pas photo, ça paye toujours. Et Lou qui en finit. Ça fait du bruit parce qu'il y a des drapeaux allemands, mais il y a également des drapeaux français dans cette tribune d'Antols pour encourager Lou Jean Monod pour aller chercher un nouveau top 10 dans sa carrière. Ça fait le sprint derrière entre Lena et Kigros. Et Kebinger, l'Allemande, là, qui va venir chercher un top 10. Grosse perf de l'Allemande qui a remporté des courses la semaine dernière en IBU Cup. Et il faudra les départager à la photo Anaïs. Finish, ces deux filles-là. Alors que Anaïs Chevalier-Boucher, elle aussi, vient chercher un nouveau top 15. Anaïs Chevalier-Boucher, déjà 15e. Et puis Chloé Chevalier, sa petite sœur, qui nous a fait rêver, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait vivre tant d'émotions sur le sprint et sur la première partie de cette poursuite. Ouais. Quand même, il faut le dire, elle a bien tenu tête aux favorites, hein, Chloé. Elle a tenu tête. Et Chloé et Julia, là, qui va revenir quand même pour une petite place. C'est toujours quelques points en plus à la 18e place. C'est toujours 23 points.